En tout cas, Florent, vous avez dit, j'ai toujours habitué les gens à ne pas être coiffés de la même manière. Mmh. En tout cas, c'est con parce que le fisc vous reconnaît toujours. Et... et maintenant, mon stagiaire, Tom Villa. Je deviens mon âme au diable. Vous êtes libre ici, Tom. Heureusement que je suis libre d'ailleurs, parce que je suis stagiaire. Donc je dis ce que je veux, je risque quoi? Qu'on me retire mes tickets resto? J'en ai même pas. Donc voilà, vous n'aurez pas ma liberté de penser, Thierry. Moi par contre, je sais pas qui chante cette chanson, mais... C'est qui? C'est l'autre con d'Obispo ou je sais pas quoi? Non, non. Bon. En tout cas, ce soir, Thierry, on a un plateau de J'adore folie. J'adore le plateau de ce soir. Ah ouais, là, on n'a pas à rougir face aux Américains. Ah non. Florent Pagny, Jude Law et Diams. Ouais. C'est fort. Mais bon, commençons d'abord par celui qui a les idées de Brice Hortefeux avec le physique d'un comédien des Feux de l'amour. Geoffroy Didier, mesdames et messieurs. Geoffroy Didier, avocat au barreau de New York et de Paris. La classe. Si vous n'aviez pas été de droite, DSK, il aurait fait appel à vous. Et s'il n'avait pas été con, il aurait été président. Geoffroy Didier, fondateur de la droite forte. Alors là, il y a un moment où ça va être compliqué, parce qu'entre la droite forte, la droite dure, l'extrême droite, bon, en tout cas, a priori, la droite forte, tout est relatif, hein, parce que pour Mike Tyson, c'est une droite molle. Non, c'est vrai. En tout cas, Geoffroy, vous êtes membre de l'association des amis de Nicolas Sarkozy. Si vous aviez monté l'association des ennemis de Sarkozy, je pense qu'il y aurait eu plus d'adhérents. Florent Pagny. Ah, c'est à moi. Bonsoir, Florent. J'adore Florent Pagny parce que c'est l'homme qui chante ce qu'il pense. Voilà, un problème avec la presse, il chante « Presse qui coule me casse les couilles », un problème avec le fisc. Mais non, mais c'est vrai, un problème avec le fisc, ma liberté de penser. Bon, on espère juste que vous n'aurez pas de problème d'érection. Ça, c'est le... En tout cas, Thierry, vous l'avez dit, Florent Pagny, c'est aussi une gueule et un look. Alors, après toutes les coupes et teintures que vous avez faites, vous avez encore tous vos cheveux, Florent, c'est quand même incroyable. Alors, je te donne le tuyau, j'ai fait des implants. C'est vrai? Ça t'arrivera aussi. Traquenard aussi. Comment non, mais, alors, attention, parce que c'est extrêmement bien fait, a priori, vous n'allez pas à château bien d'eau. Fait. Là, c'est... Non, c'est la technique cheveux par cheveux et ça marche très bien. Ah, ouais. En tout cas, Florent, vous avez dit, j'ai toujours habitué les gens à ne pas être coiffés de la même manière. En tout cas, c'est con parce que le fisc vous reconnaît toujours. Et, ouais. Et puis, bon, bah, le style de Florent, voilà, vous l'avez dit, Thierry, voilà, c'est vrai que, bon, je sais pas qui est le styliste de Florent, ça doit être le zoo de Beauval. Non, mais c'est vrai, non, mais Florent, quand il regarde un documentaire sur Planète, il a l'impression de regarder les reines du shopping. Voilà, c'est tout. Mon dressing. Mais quand il va au zoo, les crocodiles, il l'appelle papa. Donc, on arrête. Augustin Trapenard. Ah, Augustin, c'est la famille, c'est la maison, c'est Canal+. Voilà, vous venez avec un nouveau projet d'émission qui s'appelle 21 cm. Bravo les sous-entendus. Hein. Il y en a aucun, c'est la taille la moyenne d'un roman qui paraît. Ah bon? Ouais. Bah, si la vôtre, c'est un roman, moi, c'est un livre de poche. Et, 10-18. Et, déjà 10-18. Pris, Et Thierry, c'est un Larousse. Voilà. Mais en 12 volumes, ça, je tiens à le préciser. Mais en tout cas, Augustin, c'est un gros bosseur. Ouais. Ça, radio le matin, télé le soir, il dort 4 heures par nuit. Ouais. Ça commence à se voir, on le rappelle, Augustin, il a 19 ans. Salaud, ouais. Moi, je trouve ça gère horrible, vire-le. Je suis obligé d'attendre la fin de l'année. Vire-le. Samia Orosmane, bonsoir. Bonsoir. Samia, la première humoriste à jouer sur scène avec le voile, depuis les vampes, bien entendu. C'est vrai, Samia Orosmane, contrairement aux apparences... Allez-moi inspirer. Pour faire disparaître tous les malentendus liés aux derniers événements récents, vous n'êtes pas une catho de droite qui revient de vacances. Et, non, parce que voilà, Samia, vous êtes une femme, vous êtes musulmane et vous êtes humoriste. Et vous êtes ici pour nous dire lequel de trois est le plus handicapant. Tout simplement. Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson n'a pas voulu vous poser. Geoffroy Didier. Geoffroy, à l'UMP, vous étiez rémunéré 8000 euros pour être l'assistant de Brice Hortefeux. À part lui trouver des blagues racistes, c'était quoi votre boulot?
Ça, c'est du temps ancien. Samia Rosman, Samia, avec votre look multicolore, vous attirez plus quoi, le public, les ophtalmos ou les contrôles de police? Et pour terminer, Augustin Trapenard. Augustin, votre émission sur Canal s'appelle 21 cm. Votre émission sur France Inter s'appelle Boomerang. C'est des titres d'émission ou une description de votre anatomie? Un peu des deux. Un peu des deux. Thierry, bonne émission. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.